Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité est dominée par des développements au niveau politique. Les titres pour démarrer. L'Alliance Parti Travailliste à Mamam, un nouveau chapitre dans l'histoire politique du pays pour construire un pays moderne. Point fort de la conférence de presse conjointe du Premier ministre, leader du Parti Travailliste et le leader du Hammam ce matin à Clarice House. International, l'Union européenne approuve des sanctions économiques contre la Russie pour atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Et pandémie de l'Ebola, plus de 2000 morts enregistrés, un troisième Américain infecté et rapatrié. L'actualité aujourd'hui dominée par des développements au niveau politique et notre bulletin de ce soir sera essentiellement consacré à la conférence de presse conjointe du Premier ministre et leader du Parti travailliste, le Dr Lamine Ramghoulam, et du leader du Hammam, Paul Béranger. Le Dr Lamine Ramghoulam et Paul Béranger ont tous deux souligné que l'accord intervenu entre le Parti travailliste et le Hammam est un tournant autour d'une vision commune pour l'avenir du pays. Le point clé de cette alliance, disent-ils, demeure l'engagement solennel des deux partis pour approfondir et consolider la démocratie. Après l'approbation de l'alliance Parti Travailliste Hammam par les instances dirigeantes des deux partis, les deux leaders ont rendu public ce matin les détails de l'accord rouge-mauve. L'essentiel de cette conférence de presse, Jagdishjatu, Joy Nirai. Bonjour. Je connais camarade Paul Béranger et moi-même. Nous nous convoquons ce matin pour nous l'accord pour une alliance entre le Parti travailliste et le MMM. De nos côtés, ça a été approuvé hier par le bureau politique et l'exécutif. Du côté du MMM, par le bureau politique et le comité central. Et après, Assemblée déléguée approuve l'accord. Les langues circulent au fait là le document de l'accord samedi le 20 septembre. Mais nous voulons tout le détail, tout le maximum de détail. C'est un accord que vous trouvez qui est autour d'une vision commune pour l'avenir du pays qui vous permet de Maurice franchir une deuxième étape. Et c'est un accord global qui est basé sur un programme commun. Il n'est pas juste réforme électorale, il n'est pas juste réforme constitutionnelle et deuxième république, mais aussi un programme de gouvernement, un programme d'action. Il n'est pas une nouvelle étape, comme on veut dire, pour nos pays et pour nos démocraties. Brièvement, pour ne pas prendre le temps, déjà je connais réforme électorale, mais encore je connais qui bande d'État, mais moi je dis brièvement, nous pouvons avoir des 20 circonscriptions avec des délimitations exactement comme il y était, pour retenir le first past the post système avec 3 députés par circonscription. Quant à Rodrigue, on a 3 députés au lieu de 2. Nous mettons une dose de proportionnel pour une party list de 20 membres qui pour intégrer le first floor de système. Le seuil est pour 10%. Prenant le parti liste capable, prenant la liste soudaine, nous pouvons laisser open, un choix. Un tiers des candidats pour besoin d'un sexe différent, qui vous donne une meilleure représentation féminine, comme tout le temps nous disait bien bien. Et prenant aussi possibilité de double candidacy. Les pour libre, pour une partie décider, ce pas les pour mettre au menu. Quant à la réforme constitutionnelle de la deuxième république, les bons qui me mettent bien en phase, qui nous peut évoluer d'un système purement westminsterien vers un système que pour donner un pouvoir additionnel au président. Les vraiment pour une balance de pouvoir et responsabilité entre le président, qui est élu au suffrage universel, et le premier ministre, qui est pour dans le parlement avec une majorité. Le président et le vice-président pour élu au suffrage universel pour une période de 7 ans. Le premier ministre pour nommer par le président comme il était maintenant. Il commande une majorité au Parlement. Mais additionnellement, le président prenant pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Le premier ministre
pour le président peut aussi présider le Conseil des ministres quand il y a envie. Le Premier ministre peut prendre en considération une recommandation du président lors de nomination et révocation de ministre. Le président pour pouvoir président, parce que c'est ça que le nouveau. Le président pour responsable de la politique étrangère de Maurice, en collaboration avec le Premier ministre, naturellement. Le président pour capable adresse l'Assemblée nationale quand il y a envie. Et le président pour garde son pouvoir de nomination, comme il était maintenant, mais lui prenant un pouvoir additionnel de nomination. Et par exemple, le commissaire de police qui est nommé par le Discipline Service Commission, il peut nommer par le Discipline Service Commission comme il était, mais après consultation avec le président et le premier ministre. Le secrétaire du cabinet et le chef du service civil peut nommer par la PSC, mais encore une fois, après consultation avec le président. Mais là, on a besoin de dire la nomination pour besoin et dans l'accord du premier ministre, comme il était actuellement. Initialement, le président pour besoin consulter. Pour un secrétaire permanent, un senior chief executive, le secrétaire financier, un député permanent secrétaire, un assistant permanent secrétaire, pour nommer par la PSI, encore une fois, après consultation avec le président et le premier ministre. Le gouverneur et les députés gouverneurs de la Banque centrale, pour nommer par le président, après consultation avec le premier ministre. Le directeur général et le board de la MBC, pour nommer par le président, après consultation avec le premier ministre. Le Chico's and Serious Ford Office, le président et les membres du Serious Ford Office, pour nommer par le président, après consultation avec le premier ministre et le leader de l'opposition, parce qu'il nous a montré qu'il y a une situation très. Fraude et corruption. Il a bien montré qu'il est indépendant. Et le directeur de l'audit, pour nommer par PSC, après consultation avec le président, le premier ministre et le leader de l'opposition. Quant à l'alliance, répartition ticket, l'alliance entre partis travaillistes avec le même, pour un partage de 30-30, c'est-à-dire 50%, parce qu'il nous donne un contexte totalement nouveau. Et chaque parti peut avoir au moins un candidat par circonscription, dans chaque circonscription. Quand l'élection finit, nous connaissons pour gagner, mais mon vrai premier ministre, camarade Paul Béranger pour député premier ministre, le numéro 3 est vice-premier ministre pour parti travailliste, le numéro 4 est vice-premier ministre pour MMM, mais nous les faire un amendement constitutionnel, vous mettez un panel d'experts avec mon avocat local qui pour travail, déjà nous commençons le travail, qui ont le bill pour changement constitutionnel d'une pareille, les là, moi, je suis le candidat pour être le président, et Jane Katari pour le candidat pour la vice-présidence, et à ce moment-là, mon camarade Paul pour une premier ministre, le député premier ministre est là, il pour une pour travailliste, le numéro 3 est vice-premier ministre pour Vin pour MMM et le numéro 4 vice-premier ministre pour Vin pour le parti travailliste. Pour un cabinet de 24 ministres, partage encore une fois équitable, 12 ministres chaque parti avec un premier ministre. Whatever it is. Le speaker de l'Assemblée nationale pour nommé par le MMM, le député speaker par le parti travailliste, le attorney général pour nommé par le parti travailliste, le ministre de l'économie, finances et services financiers, pour nommé par le parti travailliste, pour un nouveau ministre de l'intérieur, et pour nommé par le parti travailliste, et le ministre des affaires étrangères, pour un membre du parti travailliste, quoique politique étrangère pour responsabilité le président en collaboration avec le premier ministre, et le chief whip pour nommer par le MMM. Quant à ma nomination, ma board, ma institution publique, ma para-étatique, etc., ma entreprise de l'État, les pour nommer en consultation entre le président et le premier ministre. Nous pouvons mettre aussi un comité permanent de la coalition pour assurer qu'il peut évaluer le développement, qu'il y a implémentation d'un programme Pial Comodilé, il faut faire un monitoring et aussi il peut assurer
quand il y a une petite différence entre nous pour les régler les problèmes. Et c'est de temps en temps capable d'arriver. Quant au programme de gouvernement, il est clair que nous avons une vision commune de l'avenir. Nous pouvons, ce que nous laisser rallier toute l'énergie pour faire nos pays face à une nouvelle phase de ce développement. Et aussi relève un défi, un gros défi qui est devant nous. Le plan économique, le plan social, parce que nous voulons un développement inclusif, le plan environnemental, et nous pour renouveler nos combats contre la fraude et la corruption. Voici déjà annoncé dans le Parlement pour une création de Serious for Office. Nous avons déjà contacté les gens qui pour aider nous. Nous avons déjà commencé à travailler au bill et ça, un des bills qui nous pour aussi amener aussi vite que possible. Dans ce contexte-là, il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà identifié les trois professionnels anglais qui pour faire comme une enquête les courses. En conclusion, moi, je dis autres, qu'avec cet accord-là, le Parti travailliste et le MMM ont fait ouvrir un nouveau chapitre, même au Byzantien. Un nouveau chapitre dans l'histoire politique pour construire un pays moderne. La réforme électorale et la modernisation de la Constitution pour rentrer dans les annales de nos pays comme le plus grand projet de transformation de la structure politique de nos pays. Pas aucun doute. C'est un grand changement. Un changement qui peut faire dans l'unité, parce que c'est un accord qui tourne vers la modernité, qui consolide l'unité nationale. Avec une réforme électorale et une modernisation qui nous fait la Constitution, qui consolide l'unité nationale de nos pays en conciel, que tout le monde est dans son rôle à jouer. Où vous gagnez un gouvernement stable et fort, qui est essentiel pour gagner un défi qui est devant nous. Il approfondit la démocratie. Madame a une meilleure représentation au Parlement. Les grands forces unités nationales, comme on veut dire. Et il y a un gouvernement qui est pour riche dans la reconnaissance de ce diversité et qui prend les moyens d'agir, qui est extrêmement important dans le contexte actuel que nous pouvons vivre. Et nous connaissons un défi là qui est. Vous pensez que nous faire un bref survol sur tout un nouveau pouvoir qui est président pour l'an. C'est un partage bien équilibré. Il y a assez peut-être unique qui nous réussit dans Maurice faire un arrangement pareil, qui modernise le pays. Qui, quand vous trouvez dans le document là d'ailleurs, quand vous guettez bien, il nous besoin de pays tourner vers ça. Une période que la modernité est essentielle. Nous devons tourner vers ça. Et nous devons relever les défis. Et dans ce siècle-là, je suis fier, moi, qui Maurice, avec nous des leaders, qui nous peut réussir, mettre nos efforts en commun pour nous faire nos pays avancer dans l'unité et en approfondissant la démocratie. Avec ces quelques mots, je passe la parole à Marat Paul, qui est capable de parler des auditeurs. Merci, Navin. Vous n'essayez pas de répéter. Mais comment Navin fait dire, comme le Premier ministre fait dire, il y a un nouveau comité exécutif de part et d'autre qui approuve une alliance Parti travailliste MMM pour la prochaine élection. Et aujourd'hui, nous pouvons présenter à la population les détails d'un accord écrit dans lequel nous tombons d'accord pour cette alliance-là, ensemble dans l'élection générale. Et cet accord-là, comme le Premier ministre fait dire, nous pouvons signer et circuler, bien imprimer tout ça là, nous pouvons signer et circuler le samedi 20 septembre prochain, après qui côté même nous l'Assemblée déléguée pour gagner l'occasion prononcer dimanche prochain, dans nous l'Assemblée déléguée. Et soit dit tout pour moi, je ne sais pas répéter beaucoup quelque chose, mais présente les choses à ma façon, mais pour moi, en l'alliance, il y a avant tout une question qui nous peut faire de nos pays, qui nous les faire pour nos pays, de nos pays. Il y a avant tout une question donc de programme gouvernemental. Avant tout, il y a ça. Et il n'y a pas du tout une question d'intérêt personnel.
comme Namin Ramoulamine bien dire lundi dernier même. Il y a avant tout une question de programme. Mais au départ même, je tenais à rassurer tout le monde. Une quelque chose qui nous peut faire, c'est approfondir et consolider la démocratie. Nous prenons l'engagement solennel là-dessus. Une tâche prioritaire. C'est pourquoi Pénan n'a rien à craindre. Il y a des gens qui savent faire peur. Pénan n'a rien à craindre. Bien au contraire. Un point clé de nous, l'Alliance, c'est consolider et approfondir la démocratie. Et même avec une 60-0, pas pour une aucune arrogance au pouvoir, et au contraire, pour un respect devant les autres partis politiques. Laissez-moi commencer donc par ajouter quelques mots sur le programme, sur lequel nous sommes d'accord, en tout premier lieu. Qui nous les faire pour nos pays, qui nous les faire de nos pays. Moi, pour résumer, en 4 points. Mais avant mon résumé ces 4 points-là, nous sommes d'accord aussi qu'il y a un comité co-présidé par les deux parties. Nous vous désignons, nous avons des responsables de part et d'autre, qui pour détailler nos programmes gouvernementaux. Un document complet, bien travaillé, dans les jours à venir et bien avant les élections générales. En attendant, pour moi, les 4 points clés de nos programmes, c'est premièrement consolider l'unité nationale et faire de Maurice un modèle d'unité dans la démocratie. Et nous devons vraiment être un modèle pour le monde. Beaucoup, beaucoup d'immunes déjà citent nous en exemple, mais nous devons faire vraiment un modèle d'unité dans la diversité. Premier point. Et ça, il nous toujours tenir à moi à cœur depuis qu'ils m'ont créé MMM, et jamais Namin Ramoulamine ratène l'occasion de cause de rassemblement, de jouer un rôle de rassembleur. Donc nous rejoignons nous complètement sur ce premier point absolument fondamental. Deuxième point, c'est consolider et approfondir la démocratie. À commence par une bonne réforme électorale, dans laquelle le Premier ministre fait Rivini et dans quelques minutes de cela. Troisième point, a relentless, je cite le paragraphe tel qu'il était dans le document qu'ils ont pour gagner, étant nous poussiers qu'il dit, a relentless fight against fraud and corruption, including the setting up of an independent serious fraud office, the legislative control of the financing of political parties, and a new declaration of assets act that provides for such declaration of assets by public officials to be made public. Donc, a relentless fight, un combat sans pitié contre la fraude et la corruption. Et enfin, quatrième point, le développement de nous l'économie, de l'économie du pays, dans la justice sociale, dans toute la justice sociale, côté pauvreté, côté inégalité économique, toute la justice sociale qui nous capable à fraude, et accélérer le passage de l'île Maurice au statut de high income economy. Tout ça là, il détaillé dans le document, donc de l'accord. Et nous prenons donc l'équipe qui pourra beaucoup plus loin dans les détails de nos programmes gouvernementaux. Mais déjà, c'est ça nos projets de société. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et après 45 ans d'action politique, il y a un chantement. Il y a un chantement, il y a un inspirement qui nous donne un programme qui réalise ces 4 points-là, nous fait quelque chose d'historique, d'extraordinaire pour nos pays. Et nous vous réalisons. Deuxième point de nous l'accord, de l'Alliance Parti Travail, c'est même, c'est ce qui, moi, m'appelle un bon compromis entre les deux plus grands partis du pays et dans le respect mutuel. Un bon compromis contre le président de la République, nommé par le Parti Travailliste, venu du Parti Travailliste, et le Premier ministre du MMM, et une balance de 30-30 côté bonne candidature. Donc, un bon compromis. Le troisième point, c'est que, comment Namin Ramoulam fait dire, nous, l'Alliance, il repose dans un bon équilibre entre les pouvoirs
du président de la République et ban pouvoir du premier ministre. Et dans ce but-là, Navin Ramoulam fait que dans la liste, on ne va pas répéter, la liste de ban nouveau pouvoir qui le président Pouéna. Le premier point même, c'est le président, et ça depuis qu'il y a la guerre à moitié gagnée et qu'il y a eu Diagnat au moment que nous avons une république. L'élite voulait que tout pouvoir reste dans la main du premier ministre. À tel point qu'ils mettent dans la constitution une affaire honteuse. Que si le président dissout, le premier ministre n'est capable d'amener ni la Cour suprême, alors ben, dis, qu'il faut siéger pour guetter si pas le président a raison ou non. Ça lit encore dans nos constitutions. Oui. Un lauréat constitutionnel. On l'a guerre combien de fois. Mais là, nous donne le pouvoir, comme en Inde, au président de la République de dissoudre le Parlement. Comme en Inde. Ensuite, le président de la République préside le cabinet quand il souhaitait. Troisièmement, le premier ministre tenir à donner toute la considération voulue à une demande du président qui a tel ou tel ministre révoqué. Le président, en collaboration avec le premier ministre pour responsable de la politique étrangère du pays, qui est totalement nouveau, et ben, le pouvoir de nomination qui déjà est dans la Constitution. À chaque fois que mon retour au gouvernement, nous fait un transfert ben, le pouvoir de nomination, certains pouvoirs de nomination, du Premier ministre au président de la République. Parce que le départ de la République à la Jagnat, c'était tout dans la main Premier ministre. Il n'y a aucun équilibre, il n'y a aucun partage. Et donc le but, c'est continuer à aller plus loin dans l'augmentation de bon pouvoir de nomination du président de la République. Alors comment Navin fait dire, nous pour là, comment nous signe l'accord, nous pour nommer un comité des deux parties, avec l'aide de ban expert constitutionnel international, qui pour prépare la loi de la Deuxième République, qui pour donner tout ce ban pouvoir-là au président de la Deuxième République, de la Nouvelle République. Je pour travailler d'ici élection générale, fini faire la loi-là, et ça la loi, ça bill, ça projet de loi, qui pour faire de l'île Maurice une Deuxième République, avec ce ban pouvoir-là au président de la République, nous pourrons amener au Parlement aussitôt que possible après les élections générales. Quatrième point, pour un partage équitable de man poste et responsabilité entre le Parti travailliste et le MMM. Comment le Premier ministre fait dire hein, à part poste de président, qui pour Navin Ramoulam, Premier ministre Paul Béranger, le vice-président pour Jayen Qatari, côté MMM, le numéro 2 au gouvernement pour désigné par le Parti travailliste, comment le Premier ministre fait dire, le numéro 3 désigné par le MMM, le numéro 4 désigné par le Parti travailliste, ça c'est après ça, hein, quand nous finissons voter la loi là, et quand Navin est élu président de la République, dans l'intervalle, il y a un arrangement transitoire qui le Premier ministre fait dire, speaker et chief whip pour choisir par le MMM, Deputy Speaker, Attorney General, Finance et Foreign Affairs, pour choisir par le Parti travailliste, et nous pouvons avoir un ministre de l'Intérieur. Et ça aussi fait moi beaucoup plaisir, parce que moi, tu proposes un ministre de l'Intérieur en 1983. Toujours dans un souci d'équilibre, de partage, et donc la création d'un ministre, d'un ministère, d'un ministre de l'Intérieur et contre le ministre pour nommer par le Parti travailliste. Et pour une effective and meaningful consultations pour une toute bonne nomination qui fait dans une corporation étatique, dans une compagnie d'État, etc. Et enfin, le dernier point, pour garantir le succès de nous l'Alliance, à part le respect mutuel et le respect de la parole donnée qui pour une et qui pour garantir nos succès, à part ça, Pouéna, donc, un permanent coalition committee des deux parties co-chaired, co-présidé par les deux parties, ce qui, dans nous, l'accord en anglais, nous appelle a Joint Monitoring Implementation and Evaluation Committee, a mechanism for resolving
policy differences that may arise. Donc, pour, à part le respect mutuel, à part le teamwork qui nous vous fait, mais une institution permanente pour aider nous implémenter, traduire dans les faits nos programmes gouvernementaux et résoudre n'importe quel problème qui inévitablement il y a quand il y a un gouvernement. Voilà un bon point, point clé, un bon détail de l'accord qui nous propose à la population et au pays. Il y a un moment historique, et moi, ce qui, moi, je suis content de conclure alors là, ce qui nous les fait ensemble, à la tête du pays, c'est faire de nos pays un pays fort. Faire de nos pays un exemple. Un modèle qui peut faire nous tout fiers et qui nous peut laisse en héritage à la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Nous avons une sincérité of purpose totale, nous avons une vision partagée et nous peut prendre, nous conscients, on connaît, et Navin et moi, nous conscients, qui nous peut prendre une grande responsabilité vis-à-vis de l'histoire de nos pays, vis-à-vis de la population et en particulier vis-à-vis la jeunesse de ce pays-là, et nous voit à la hauteur de ce défi qui le pays pose nous et qui nous pose nous-mêmes. Vraiment, faire un pays fort de nos pays Maurice, nous n'avons sa capacité-là, peu dans la région qu'il y en a d'autres pays comme le Cap-Vert en Afrique qui donnait un exemple, ben nous cave, nous aussi, plus que d'autres, est un vrai pays fort, est un vrai pays modèle. Merci. Si on a il y a une question, avec plaisir, nous prendre une question. Jean-Luc Edil, correspondant pour Antenne Réunion. Alors, vous avez parlé de garantir un succès, respect mutuel, de partage équitable également. Vos adversaires déjà parlent d'une alliance basée sur la méfiance. Comment vous envisagez-vous de rassurer l'opinion publique sur la question de la méfiance, parce qu'il y a quand même un accord qui va être signé, etc. Oui, d'abord, ce que camarade Paul dit et ce qui me fait dire, il est clair qu'il y a peine à sa problème de confiance. Au contraire, avec une grande sincérité, c'est pourquoi nous prenons le temps qu'il prend. Il a même dit qu'il ne fait pas autant de temps. Il prend le temps parce qu'on a des grands partis qui peuvent discuter d'une alliance qui est vraiment un accord, qui est vraiment historique, qui prend un nouveau chapitre dans nos pays, approfondir la démocratie pour l'unité nationale. Et c'est pourquoi nous prenons les temps qui viennent. Sinon, nous sommes capables de faire des affaires vite, vite, et puis tout va de problème. Ce n'est pas ça que nous devons faire. Et d'ailleurs, camarade Paul Béranger fait que j'ai dit, de notre sincérité, parce que nous voulons nous payer avancer, surtout pour une jeune génération qui peut monter avec une difficulté. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, pas même posé. De toute façon, vous pensez quand on entend nous causer, on nous a gagné la réponse. Vous pas douter, si l'un nous fait un accord écrit, alors je peux dire, ah, manque confiance, à cause ça peut faire un accord écrit. Pas du tout, nous voulons un accord écrit, de façon à ce que toute la population consciente qui va nous engager, on nous peut prendre. Oui. Et capable de hold us to account. Au yeah. fur et à mesure, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, oui. guetter. Donc nous parlons aucun secret entre nous, nous voulons qu'il a, ni entre nous, ni vis-à-vis de la population. Nous les travaillons à livre ouvert, à cœur ouvert, à livre ouvert. Ah, c'est, si pas tu as l'accord écrit, moi ben, même dis mon là, je te peux dire, mais mon cher, les paroles s'envolent. Oui. Les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Mais, on est là, nous pouvons guetter qui est capable de dire contre sa projet de société. Oui. Tout le monde, je donne nous coup de main, franchement. Oui. Parce que ce n'est pas nous qui faisons un coup de main, nous pays. Donne nous coup de main, pays, nous réalisons ça. Et nous passons dans l'histoire. Nous, on va pas dire, Navin Paul, oui, mais le pays nous capable vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a, vous êtes survivants, vous êtes pour oui. pinailler, je parle de toute qualité, fausse raisonnement. Il va pour moi aussi. Il dit, bon, il dit, pour moi, je vous donne des affaires, mais je fais l'alliance en 95, pas tiens à quoi écrit. Écrit. Au fait, moi, qui me dis camarade Paul, il dit, bon, nous mettons écrit. Les gens ont guetté exactement ce qu'ils nous peuvent dire, que je prenne un doute de nos sincérités et qui nous projet de société.
Bonjour, je suis Axel Schoener, rédacteur en chef de Radio Plus. Sans vouloir créer aucun désordre entre eux, tout en concédant qu'ils se tiennent punis de ta force pour l'avenir du pays, nous pensons que le pays, on y comprend à quel point je sincère dans cette alliance et la sincérité d'y juger l'aube indifférent les plus sensibles. Excusez mon premier point, je ne suis pas impertinent, mais Moïse Sambi est un point sensible pour connaître à qui point dans les négociations je suis capable de faire ça au clair. Mon premier point, c'est l'enrichissement de ban copain, copine, ces termes qui peuvent déranger si utilisés, il y a moins d'un an, le 13 septembre de l'année dernière, à Belle Rose. Le 3 avril de cette année, M. Béranger, Outier et aussi tout, tel qu'il m'a confrère du Mauricien fait rapporter le 4 avril, pour déplorer qu'il dans Nouveau Airport, bizarre passeport duty free et par magasin madame là. Peut déranger mon question adressée à où est-ce qu'il vous fait une halle au fond de la question sensible qui est l'enrichissement de ban copain, copine, tel que vous dites, du Parti travailliste au cours de ces dernières 9 années. Par exemple, le bâtiment, le projet de bâtiment acheté par la CIPOM, les magasins loués à l'aéroport, est-ce que tout ça là finit discuté en toute sincérité, M. Béranger? Évidemment. Pourquoi j'ai un mot avant? Ou fax wrong, parce que moi, je tiens communiqué. Les magasins de l'aéroport, si donné par l'ancien gouvernement, avant qu'il m'ouvre une premier ministre, et NN qui donnait 18 jours avant l'élection générale. Donc déjà, factually, wrong. Deuxièmement, toute procédure, comme on dit, il fait d'après les dons, et quand on dit, et où on est capable de me reconnaître, quand des gens qui sont supposés proches de moi font une erreur, ils payent les conséquences. D'ailleurs, on peut trouver. Donc, je réponds ça de mon côté, et qui d'ailleurs, on trouve, nous peut mettre un serial sur l'office, personne ne peut pas l'abri du serial office. Si on fait une erreur, on dépasse, on passe en dehors de la procédure, on va payer des conséquences. C'est comme ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire, des gens pas gagné droit de faire entreprendre. Parce qu'il est dans telle communauté ou telle couleur. Ce n'est pas comme ça. Il besoin de partager une démocratisation et des gens gagnent droit de faire. Je vous laisse pour le répondre. Oui, merci. Oui. Non, mon cher, l'accord, comment nous le faire, il tourne vers l'avenir. Qui nous peut le faire ensemble. Nous pas pour passer tout nous les temps, réproche à chacun. Ou même à Aniru Diagnat. Nous avons tous nous les temps le passé, chacun le DTR, ce qui nous dit. Nous amenons à vous finir. Nous payons l'avenir. Nous payons l'avenir. Et en ce qui concerne fraude, corruption, exprimons une certaine paragraphe entier. Pas seulement ça, mais dans le Parlement, Navin Ramoula, mais moi-même, nous disons, prenons une vraie, sérieuse fraud office qui prenne tous les moyens légaux, financiers, staffing pour lui faire ce travail, un vrai serious fraud office. Et qui pour gagner droit, qu'est-ce qu'on a hier, comme le Premier ministre fait dire. Nous pas pour créer un nouveau délit avec effet rétroactif. Sous la Constitution, la loi pas gagner droit à faire ça. Mais il y a un délit qui déjà existait, trafic d'influence, fraude, etc., qui déjà existait. Mais ça, serious fraud office là, concernant un délit qui déjà existait, il est pour gagner droit, qu'est-ce qu'on a hier. Nous prenons les moyens, nous pour gagner droit, d'être en arrière. Et deuxièmement, nous dire, nous prenons, et d'ailleurs, je répète, il y a une Declaration of Assets Act, foolproof, et qui pour rendre public. Donc, nous pouvons être devant, et devant, nous les faire aussi de Maurice un modèle de combat contre la corruption, contre la fraude en général. Nous passons tout nous les temps le passé, nous passons tout nous les temps l'avenir à partir de maintenant. Voilà ce qui nous les faire ensemble et qui nous pouvons faire ensemble. Maintenant qu'il y a une instance, il y a une partie, il y a un rapport. Est-ce que vous ne pensez pas que le plus dur maintenant de sa faire, c'est-à-dire convaincre la population de la pertinence de cet accord-là? Deuxièmement, vous avez dit maintenant qu'il y a une participation du MMM, dans le gouvernement, jusqu'à l'élection. Et bon, tu vas même dans le cadre du gouvernement pour précède l'élection. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle pour jouer dans le gouvernement? Et en même temps, on trouve que se déranger pour numéro 2 en attendant le président. Est-ce qu'il pourrait être une fonction spécifique à part être le vice-premier ministre de l'économie ou pas de l'économie? D'abord, comme on connaît, nous
Et dans ma prérogative pour le ministre, qui, comme vous le connaissez, m'a gardé très jalousement. Donc nous prenons, clairement, nous commençons à faire que ça allait là, nous prenons une réunion régulière, là maintenant. Et nous avons un programme que vous connaissez à l'extérieur, que vous retournez, nous continuons nos rencontres très régulières, parce qu'il y a dans le contexte, c'est un nouveau élément qui vient. Et donc nous voulons collaboration. Et jusqu'à nous formons le gouvernement quand l'air vient. Et il n'est pas pour vice-premier ministre, c'est pour député premier ministre. Après, nous prenons deux vice-premiers ministres. Et donc, nous n'avons aucun problème avec ça. D'ailleurs, c'est un accord, comme nous disons, c'est un accord historique. Comme mon camarade Paul Berenzin, bien dit à l'heure, qui a besoin de nous coudre pour une nouvelle génération, parce que jamais mon pensée, nous pouvons avoir une chance pareille, qui, des plus grands partis du pays, décider de faire un compromis. Chacun qui calme son côté fait son campagne. Nous les faisons un compromis parce que nous les l'unité, nous les qui la diversité de Maurice représentée et que nous avons un gouvernement fort et stable et que nous sommes capables de passer à la deuxième étape de nos développements. Oui, si, mon capable de quelque chose. Le mot qui Jean-Marc ne servit, je n'ai pas trop trouvé appliqué, pertinence. Oui. Il n'est pas question de pertinence ou non. Les deux plus grands partis du pays propose un programme détaillé qui nous les fait avec le pays. Mais pas qu'il n'y a rien de plus pertinent que ça. Moi, pas quoi, c'est plus difficile, franchement, pour nous convaincre la population. Moi, pas quoi. Mais nous passons beaucoup de temps. Oui. Expliquer, pas justifier, pas montrer la pertinence, mais expliquer, gagner la participation de la population. Moi, pas quoi, c'est plus difficile, franchement. Parce que vous même c'est un projet de société, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dis mon cas, mettre en question nos sincérités, nos sincérités, ça, c'est nos affaires. Mais ce qui nous peut proposer extraordinaire pour le pays. Donc, il est non seulement pertinent, mais c'est pour le pays un moment clé. Mon dieu, ça t'a l'air là. Mon père a des doutes, moi, qui nous parle vers N60. Nous voulons nous parler parce que nous avons un système électoral qui nous est là. C'est pourquoi moi, je tenir à rassurer Dimoun. Guette bien les passés des Dimoun avant passer jugement. Nous pouvons prendre l'engagement de consolider et approfondir la démocratie. Et nous pouvons faire l'I. En priorité. Donc personne ne peut prendre tracas qui 60-0, qui. Je me rappelle une fois, général de Gaulle. Oui. À un moment donné, je posais une question. À mon âge, je vais devenir dictateur. Mais nous, on vit, nous apprenons. Nous avons des années de lutte politique derrière nous. Puis, à droite, faire un procès d'intention. Get nous passer, get nous une garantie qui nous peut donner. Pena pour prendre tracas, nous pour vraiment faire un modèle de démocratie de nos pays. En attendant, bien évidemment, nous venons d'accord. Qui entre maintenant avec l'élection, nous pour travail, vous faisons un cours de nous violons, au jour le jour même. Donc, il est entendu qu'il nous pousse régulièrement. Le Premier ministre, c'est notre prérogative de Premier ministre qui m'a pour respecter farouchement. Mais le tout bon problème d'actualité, nous pour un cours de nous violons, entre maintenant avec l'élection. Maintenant, quand l'élection finit, comme tous les deux nous expliquaient, quand, dans un premier temps, mais Navin Ramoulam pour candidat à Pampé Moustriolé. La loi oblige nous suivre sa procédure. Là, il pour Premier ministre après élection. Pénalotime, la loi comme ça, un pays pas grave, reste sans Premier ministre. Donc, il le Premier ministre actuellement, il pour le Premier ministre. Moi, mon pour numéro 2 au gouvernement, nous même pas encore discuté qui va vous faire. Ah, mais, moi, je vous prépare dans l'esprit d'équipe, je vous prépare la transition. On va voir, on va prendre telle responsabilité, puisque nous pouvons une période de transition, nous tombons d'accord, qui nous prépare la loi là bien, d'ici élection. Nous amène la loi là le plus tôt possible après élection, parce qu'il n'est pas oublié, d'étant nous votons la loi là, elle est là, Navin Ramgoulam pour démissionner, propose candidat au suffrage universel avec Jayen Katari. Donc nous parlons non plus qu'il y a un long délai de transition. Fini élection générale, un long délai pour élection présidentielle,
qui est extrêmement important. Première fois, là, que pour il y a un président et un vice-président au suffrage universel. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous les terminons avec ça, transition-là, et là, le travail d'équipe entre le président de la Nouvelle République et le Premier ministre démarrer pour de bon et dans l'intérêt du pays. Question pour l'Express, Abdullah Irali, question au Premier ministre et puis au leader d'opposition. À partir de maintenant, quel calendrier souhaitez, calendrier électoral et politique, et puis quand est-ce que le leader de l'opposition qui annonce sa démission, parce qu'il y a un système un peu flou en ce moment, quand est-ce que les leaders de l'opposition vont démissionner? Moi d'abord, je veux dire, je l'annonce, nous l'accordons. Tout à l'heure, je veux dire, we cross the bridge, when we get to the bridge. Donc, je veux dire, je l'annonce l'accord. Moi, j'ai une prérogative comme Premier ministre. Nous pouvons travailler en collaboration, étroite collaboration, là, régulièrement. Et comme les autres sujets, je vais dire, j'arrête. Ben, quand c'est concerné de l'opposition, moi, là, laissons recevoir de qui que ce soit, papa. Jusqu'à lundi dernier, nous pas ici. Si pas, on va vous rester dans l'opposition. Jusqu'à l'élection. Mais qui vient de nous presser? Nous sommes encore dans l'opposition. Et nous parlons dans l'opposition jusqu'à ce que le processus de ratification est terminé des deux côtés. Ce qui m'a regretté, c'est qu'il y a des gens qui osaient. Et des gens qui déclarent d'être respectueux devant l'institution, qui osaient, lui demandent du respect au président de la République. Et voilà. Ben, qui n'importe, vite croire que le président de la République par contre sous responsabilité sous la Constitution, mais c'est un insulte. Car la Spaya connaît la Constitution au bout sur les doigts. Il connaît quand il y en a pour agir, quand il peine pour agir. Comme moi aussi, je connais que la Constitution dit au leader de l'opposition. Mais oui, on dit, il manque du respect. Est-ce qu'ils croient qu'il y a un vrai président de la République? Un zone comme encore la Spaya, s'il y trouvait, qu'il est bien agir. Je vous dis, on a une permission. Non, il faut agir. Au terme de la Constitution. Donc moi, comme on me l'a semblé délégué ratifié, c'est qu'il me souhaitait. Comme on est ratifié, ça veut dire que ça coûte là officiellement, nous même pas pour attendre qu'il nous signe. Ouais. Nous signer une cérémonie pour Ena. Moi même pas pour attendre ça. Évidemment, moi l'Assemblée déléguée approuvée dimanche prochain, lundi matin. Je pensais probablement qu'on va rendre une petite visite au président de la République pour y aller un petit au revoir en tant que leader d'opposition dès lundi. Bon, deux petites questions. Premièrement, est-ce que dans le choix des grands ministres, les deux grands leaders qu'il a pourraient un droit de regard dans le choix des personnes qui occupent les postes ministériels? Et pour une question, Dr. Nana Goulam, est-ce qu'il vous rend compte qu'il ou tâches beaucoup plus difficiles dans les jours à venir quand tu es là pour faire un choix, couper, penser. Est-ce que vous pensez qu'on va faire face à une frustrée qui ne peut pas gagner et checker tout bien le ministre parce qu'au Canadis, ça joue pour changer. Et d'abord, laissez-moi dire une affaire qui le choix ministre, etc., vous le mentionnez, tu allais là. Nous pouvons avoir une étroite collaboration, chaque parti pour. Qu'on a 12 ministres et un premier ministre, et nous disons un choix, c'est clair. Deuxièmement, tout le monde compte en une bataille difficile. On fait une longue explication au biopolitique, l'exécutif hier, on prend la peine d'expliquer bien dans quel contexte et qui nous préfère, ce n'est pas pour nous, c'est pour le pays. Et nous voulons que le pays avance pour la future génération. C'est ça nos priorités, et pendant un an, il faut faire ni avec moi, ni avec Paul Béranger, ni. Et une question de parti. Nous ne faisons pas un programme de cuisine. Nous faisons un programme pour l'intérêt national. Choaban ministre, nous, dès à présent d'ailleurs, dans le respect de prérogatives du Premier ministre, dès à présent, nous teamwork pour commencer sa semaine-là. Donc, le sujet d'actualité, tout ça. On va dire dans le respect des prérogatives du Premier ministre et en attendant l'élection générale. Pour nous, le keyword, c'est teamwork. Bon, en ce qui concerne, nous donnons la longue liste de bonnes pouvoirs additionnels que le président de la Deuxième République pourrait. Et ça permet nous bien comprendre qu'il y a un rééquilibrage, un bon équilibre entre pouvoir président et pouvoir premier ministre. Mais en ce qui concerne le premier ministre, ce qui est dans la Constitution, il est là. Il reste comme ça, ce qui est dans la Constitution. Le premier ministre, le président nomme le premier ministre, mais il
la Constitution dit à l'Igété qui s'est nanté la majorité, évidemment, dans le Parlement, et l'y nommer. Pour l'y révoquer, Premier ministre, il est déjà prévu dans la Constitution. Une motion de blâme, un Premier ministre est trouvé en minorité. Donc, comment il était dans la Constitution actuellement? Soit ministre, pareil. Évidemment, c'est le Premier ministre qui choisit un soit ministre. Mais là, c'est un président qui nous mettait là-dedans en étroite consultation, tout quelque chose, pas juste la diplomatie, mais tout quelque chose. C'est vraiment un partage des pouvoirs et équilibre. Tout ça prévu déjà en ce qui concerne le choix de ban ministre. Maintenant, on va connaître qui fait, moi, Pézalou, qui fait vous poser une question juste en Avin Ramoulam, mais qui pourrait arriver dans le cas Banjimoun, il ne sait rien, il est un mot frustré. Disons Banjimoun qui n'est pas pour satisfait. Parce qu'il nous est là pour choisir 30 candidats. Pas pour facile, ça pour tous les deux. 12 ministres. Mais pour arrêter de remis ça. Mais il n'y a plus que pour moi aussi, papa. Qui fait vous poser question là. J'ai ça dans une ramoulam. Je ne vois qu'il y en a du tout, mais oui, c'est ah ben oui, mais moi, je suis un ministre. Moi, je suis un ministre, mais la liste interminable. Vraiment, vous m'avez fait un joke. Moi, je dis à vous, un moment de casse-tête. Quand pour arriver le moment pour choisir 12 ministres. Parce que dis-moi pas égoïsme espéré, mais dis pas facile. Dis-moi m'éviter de part et d'autre. Donc, nous pouvons faire ben madame aussi, qui pas pour gagner satisfaction en termes de ticket ou bien en termes de poste ministériel, mais moi déjà demande autres, et moi pour continuer demande autres, pense au pays avant tout. Nous pas faire quelque chose. Pour venir président, pour venir premier ministre, nous croyons nous capables d'être nos pays. Nous croyons nous capables de faire quelque chose de formidable pour nos pays, mais chacun a besoin de faire preuve de discipline et d'esprit de sacrifice quand nécessaire. Est-ce que vous avez déterminé pour un ministère par rassurant de l'Occident aux États-Unis? C'est un travail compétent et désolé. Et bon, c'est un dream team là. En fait, le dream team, c'est moi et Paul Béranger à la tête du pays. Un président, un premier ministre. Et pour donner l'assurance, à la camarade Pauline fait dire, nous les Bandimoun qui vous faire payer avancer. Ce n'est pas facile, comme on dit, 12 ministres de chaque côté, ce n'est pas facile. Pour eux-mêmes et pour le poste travailliste. Mais nous les gagnons la meilleure équipe qui nous capable pour qu'on fasse ce pays-là, bougeant en la direction de sa nouvelle étape de développement. Une majeure de Rien News. On va les obtiquer quand vous posez ce question-là. Il y a un nom sur lequel Van Beethoven posait la part du même. Non, le sacrifier potentiel, est-ce qu'il devient d'accord ou un dimon qui ou pour sacrifier Navin Ramoulam? Et si en retour aussi, au fin des mois, qui certains dimon qui probablement, peut-être pour la liste des candidats éventuels du MMM, est sacrifié également? Moi, je vous une seule affaire, ne guet mon parcours. Guet qui s'est un petit candidat en 1995, guet qui s'est un petit ministre en 1995, guet qui s'est un ministre après. Et get qui s'en a, qui a un ticket après. Moi, j'ai un seul critère. Critère, c'est ce qui ou electable, est-ce qu'il y a un travail, est-ce qu'il dit mon nom à virer et tout. Il ne faut pas mettre candidat qui va pour lui, automatiquement. Il est vrai, nous, dans une grande alliance qui est toujours pour lui. Mais moi, j'ai besoin d'un dimon qui a un travail et qui est electable. Vous connaissez, en 1976, le Parti travailliste, mon papa, il dit, fait sa guerre là. Qui met un candidat qui dit qu'il ne parle pas. Et quel résultat? Tout le nouveau candidat pour le travail, c'est élite de liste, le reste perdu. Pas de quoi arriver, c'est qu'il est arrivé en 1976. Il est en présence de camarade Paul. Donc, moi, mon critère, c'est ça. Pas dans l'autre critère. Précisez-moi, donc, vous dire pour mettre un candidat qui est électable dans 23 ministres qui viennent actuellement. Combien qui est électable dedans? Ça, mon cas, dire au moins pour que ça bien de bien pris. Ça va me servir un bien, un mot. Veto. Entre amis, entre partenaires, comme ça. Pénamé. Vous nous mettez la tête ensemble. Oui. Nous les, de part et d'autre, ban électable. Ban candidat électable. Et moi, je pense c'est tous les 60 pour. Non oui. Seulement électable, mais électé. Vous n'avez pas besoin pour démissionner pour la cause candidat dans l'élection présidentielle. Vous parlez de Sana qui pour adverser direct dans sa élection présidentielle là, sans doute Mme Dimon qui vous dire c'est un match entre moi et Navin Ramoulam. Est-ce qu'il est prêt pour prendre ce pari-là? Parce qu'il peut avoir perdu sa élection présidentielle là, ou pour votre coup, haut du Parlement, haut de la présidence. Est-ce qu'il est prêt pour prendre ce pari? Trop pessimiste comme ça.
Très pessimiste, moi je ne suis pas pessimiste comme ça. Moi je n'ai pas aucun doute qui ne peut faire pas de semblant pour l'intérêt du pays. C'est une balance de pouvoir. On ne va pas trouver beaucoup de difficultés là pour aider, mais une élection est une élection. Avec nous, on est dans une démocratie. Okay. Bonjour. En tout cas, moi, Hélène l'a fait peut-être nous pas mesurer assez. Le passé, il y a un premier ministre, tout pouvoir dans sous la main. Mon père cause, pas pour la mine, mon père cause pour Bonhomme Jagnat. Il est en pire, Bonhomme Ramgoulam, il quitte beaucoup bon fixe, il quitte une constitution extraordinaire. Mais c'était le full Westminster system, tout pouvoir qui est dans la main, premier. Nous pas dans l'autre extrême là, que tout pouvoir dans la main, président de la République. Mais ça aussi, dit dans l'intérêt Maurice, mauvaise qualité, ça quand concentrer tout le seul dimoun. Ni mauvais pour l'unité nationale d'abord, mais ni mauvais pour la démocratie aussi. Nous pouvons quitter ça derrière nous, nous pouvons aller vers un bon équilibre entre le président de la Deuxième République et le Premier ministre. C'est un grand moment ça, extraordinaire. D'ailleurs, pour tout ça, dans nous, la quoi, nous dit exactement ça. Qui fait nous puissance ça, qui fait nous l'équipe Maurice avec une nouvelle constitution. Bonjour, Daniel, bonjour, Marissa Radioan. J'avais une question. L'avant est actuellement, le Premier ministre a demandé la révocation du président au gouvernement, mais dans un système de posé des gens républicains, comment est-ce que vous pouvez dire ça? C'est pas exactement comme ça, hein. C'est pas exactement comme vous pouvez dire là. Et c'est toute une procédure, ça. Un président n'a pas qu'à demander une révocation, comme vous pouvez dire là. Hein. Donc, mais il n'est pas le PC en système, là, il n'est pas pour le même système. Un président qui est élu au suffrage universel, pas par l'Assemblée nationale. Mais comme dit Navine, ce qu'on dit n'est pas exact. C'est le Parlement qui élit le président, mais pour évoquer, c'est une autre story, comme dit l'anglais. Oui. Il y a même une procédure considérable pour impeacher un président, actuellement, nous les dire. Mais il y a toute une procédure, des trois juges du Commonwealth, toute une procédure. Donc, des années comme ça, il est obligé comme ça. Oui. Mais là, nous perdons one step further. Élection pour faire au suffrage universel. Mais le processus de révocation, certainement pas plus facile. Une question, Monsieur le Premier ministre, qui est tenu aussi au portefeuille du ministre des Finances. La communauté des affaires peut déplorer un flou en ce moment. Et visiblement, on parle de calendrier électoral qui va arriver. Donc, est-ce qu'à combien de temps ça fera vous passer parce que les investisseurs. Et attendre aussi, est-ce qu'il y aurait une réponse par rapport à la communauté d'affaires? Mais moi, ce que je m'apprends comme un investisseur, c'est qu'il y a une tendance, que c'est dans l'alliance Parti Travail, c'est moi-même qui est pour un gouvernement stable, je ne fais pas comprendre le message. Moi, mon père a dit tout, hein, que sa grande alliance Parti Travail, c'est moi-même pour créer bien vite un climat de confiance, une relance de nous l'économie. Mon père n'a aucun doute. Ben évidemment qu'il s'agit pour une analyse, surtout après l'élection, il y a une full team qui met au travail. Mais déjà, on pensait depuis avant, même le mood pour changer concernant le climat de confiance, ben l'investisseur, locaux et étrangers. Mais il faut dire, nous les gagner la confiance de tout le monde, y compris de bons syndicats, y compris de bons travailleurs. Moi, bien triste, moi, tous, plusieurs syndicats, ils ne passent pas de commentaires, bien négatifs. Dans notre intérêt, faire notre travail, nous, quand nous disons nous pas confondir à la démocratie, il y a inclure dans le syndicat aussi. Il ne faut pas être négatif au départ même. Nous, quand nous disons un approfondissement, consolidation de la démocratie, il concerne tout le monde, y compris dans le syndicat. Le contexte de son agence, qu'adviendra-t-il de nouvelle municipalité? Bon, comme il se passait, toi qui veux. En tout cas, c'est nous qui contrôlons tous les cinq. Bon, il y a une tête, et à cœur, puis, moi, je suppose, il peut faire l'exercice, il peut parler, il prend l'autre les gousses, mais il nous contrôle tous les cinq municipalités, nous pas pour bousculer le dimoun. Nous pas pour bousculer le dimoun. Nous perdons l'élection générale. Mais la municipalité, nous pas pour trembler personne, nous pas pour bousculer personne. Mais nous avons majorité dans toutes les cinq municipalités. Et quand nous faisons approfondissement de la démocratie, qui concerne aussi l'administration régionale, plus divin, nous pouvons mettre la tête ensemble, nous pouvons mettre la loi pour consolider et approfondir la démocratie régionale.
qui dit municipalité, qui dit district council, village council. Donc dans l'immédiat, ça n'a pas pour plus que le nord. Est-ce qu'il y a une alliance entre deux grands partis? Par exemple, il y a quelqu'un pour Chouchak Nath. Il y a une grande alliance entre deux grands partis. Je me suis dit que pour Zouad Noir, pas l'alliance, c'est le passe travailler, c'est eux-mêmes. Mais je me suis dit que nous avons une relation avec les deux. Et l'arrêter. Vu comment la présidente d'Alliance travaille, c'est un ami fini après l'élection de 1995, je pense que Grand-Pé Simon pose question de la solidité de la pérennité de cette alliance. C'est vrai que la réforme constitutionnelle peut faire en sorte que les institutions peuvent changer pour un peu de fonctionnement, mais au niveau personnel, vous êtes qui sont en zone, qui sont en train de l'année qui passait là, pour permettre aux autres, la Sierra Simon, qui s'alliance là, cette collaboration, solide et pérennité. D'abord, nous avons beaucoup plus de maturité, en tout cas, moi, je suis promis pour la première fois quand on a 15. Moi, tout le temps, je me disais, comment la position, je me croyais ça. Les taux étaient partagés, il y avait une différence. On est comme un délit de faux tout le temps dans ça. Mais avec nos grandes maturités que nous avons, nos engagements politiques qui nous connaissent, un peu comme on est Paul Bérandine, cite Général de Gaulle, passe à ce terrain-là, là, que nous parlons de nous, nous faire des affaires pour le pays, pour le futur, pour la modernité et pour l'unité nationale. C'est ça nous souci. Ce n'est pas un travail de cuisine qui nous peut faire entre nous. Là. C'est l'alliance pour l'avancement du pays. Depuis 20 ans, il est coulé à CV. Ça coulé là, il y a 20 ans, laissez là. 20 ans d'expérience accumulée. Et en 1995, moi, je me parais pour faire mon mea culpa. Quand je réfléchis bien, probablement, je suis trop exigeant, trop rigide. Parfois. Mais ça a une personnalité et on apprend dans la vie. Un bon commentaire, les plus intelligents qui m'entendent, l'eau, ce qui fait qu'arriver là. Parce que, comme dit, si nous discutons tout ça là, c'est parce qu'ils nous essayaient, point par point, mot par mot, nous discutons, nous négocions, nous arrivons à quelque chose. Parce qu'ils nous essayaient, il me prend 3 mois. So what? Nous pouvons destin un pays. Mais un bon commentaire, les plus intelligents, c'est moi. Je sais, il dit, mais tu dis, on connaît Topena. Moi, je dis, un gros mot, Topena a beaucoup de patience. Mais quand tu as tout sa patience, là, ces derniers 3 mois, 4 mois, là, hein? Good question. Ah ben, c'est 20 ans. 20 ans d'expérience, et dans 20 ans, c'est là. C'est la première fois qu'il a vu Moulin, une premier ministre. Une ministre. Un seul coup. Premier ministre, l'ITI 35-25, tout s'y concentré dans la main. Un seul dimon, pas tient dans ça l'équilibre qui nous peut dire là. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, il est bien différent. Ça a une mûrie, ça a une pièce sur l'expérience, ça a une dans le passé avant d'envisager l'avenir. Et aujourd'hui, il y a un équilibre entre deux dimon. Il n'est plus tout concentré dans un seul dimon, il y a un bon équilibre entre deux. Responsabilité entre des dimons, les pour 30 ans, et nous avons nous l'expérience derrière nous et nous sincérité. C'était donc la conférence de presse conjointe du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, et de Paul Béranger sur l'accord post-travailliste à Mamam. Vous êtes nombreux à attendre le tirage de la loterie nationale. Les résultats vous seront communiqués juste après ce journal. Nous poursuivons avec la politique. Conférence de presse du Hamasam cet après-midi au bâtiment du SunTrust à Port-Louis. Le leader de ce parti a d'abord commenté l'actualité politique dans le pays et la conférence de presse conjointe par ce travail Stamamam. Pravin Jugnauth a aussi parlé de l'affaire Medpoint et des procédures pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité nationale. Kavishpolt. Pravin Jugnauth a d'abord parlé de la situation politique. Revenant sur la conférence de presse conjointe du Premier ministre et du leader de l'opposition ce matin, le leader du MSM dit avoir noté que les deux leaders ont beaucoup parlé des pouvoirs du prochain président de la Deuxième République et du prochain Premier ministre et qu'ils n'ont pas abordé les problèmes sociaux et économiques du pays. Pravin Jugnauth a aussi parlé des éventuelles alliances que le MSM pourrait contracter. Il a aussi répondu à des questions de la presse en ce sens. Nous avons une discussion. Le MSM, nous avons une discussion avec le PMSD.
nous payons une discussion avec le mouvement libérateur de Ivan Colenda-Velou. Une discussion peut, bien sûr, peut progresser. Et bien sûr, en temps et lieu, quand il y a quelque chose, nous pouvons annoncer à la presse. Concernant la discussion avec PMSD, mouvement libérateur, MSN. Oui. Ça, je crois, c'est important. Mais ça, nous route, nous pouvons parler, comment dire, un petit peu comme un remake. Right? Nous pouvons leader, éventuellement, nous faire l'alliance, nous pouvons leader de ça, l'alliance-là. Après, pour avoir différents leaders de notre parti politique, le Premier ministre qui nous vous présentait pour 5 ans. À ce stade, dans discussion avec le PMSD, mais dans la conjoncture actuelle, quelle probabilité est non qui avait l'alliance MSN-PMSD? La probabilité, je ne pas à cause de probabilité. Parce que, vous connaissez, une seule affaire, je peux dire, qui va une discussion peut progresser. Peut progresser bien. Right? En tout cas, nous satisfait la manière qui une discussion peut progresser. Mais seulement, connais-moi, moi toujours prendre toute précaution et me dire bonnes affaires comment y était. Right? Donc, progresser avec satisfaction et progresser bien. Enfin, très bien, même au cas dire. Hein? Mais, tu connais, tant que nous pas arrivons à une conclusion, on pas capable de dire non. Le leader du MSM a aussi parlé des procédures pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité nationale et de la date limite fixée pour l'obtention de cette nouvelle carte. Pravin Jugnauth est aussi revenu sur le ruling de la cour intermédiaire relatif à l'affaire MedPoint. Moutine soulève deux points de droit devant la cour intermédiaire. Nous finissons mettre tous nos bons arguments et une running ruling pour dire qu'ils ont pas d'accord avec les deux points qui m'ont fini soulever. Bien sûr, moi, m'ont respecté le ruling de la Cour et l'affaire est fixée à janvier de l'année prochaine pour être pris sur le fond. À noter que la conférence de presse du MSM était précédée d'une rencontre du comité central du parti. Répondant à une question de la presse, Pravin Jugnauth a fait ressortir que cette rencontre n'avait rien à voir avec la conférence de presse conjointe du Premier ministre et du leader de l'opposition ce matin. D'autre part, le groupe Résistance et Alternative a réuni la presse ce matin à Moka. Ses membres ont abordé la conférence de presse des leaders du Parti travailliste et du MMM à Clarissa ce matin. Ils se sont aussi exprimés sur la participation du ministre Boulel à Samoa ainsi que la campagne morne sur les terres de l'État et les ressources naturelles. Un reportage de Annabelle Volbert. Résistance et Alternative s'intéressent à la politique énergétique du pays. Face à la presse ce matin, il a fait plusieurs propositions à ce sujet. Ça va une transition qui nous peut demander, c'est qu'ils mettent une taxe, l'eau, tout ça va dans les pipi là. Deuxième, que la CEB mette une scheme de 50 MW qui prépare lui pour une small planters solar electricity production scheme. Aussi qu'ils mettent un government green energy bonds. L'eau tout va du monde qui peut aller investir dans l'énergie renouvelable. Mais pas juste ban dimoun, ban citoyen individuel, mais aussi ban l'organisation sociale qui peut investir dans l'énergie renouvelable, qui tire taxe logée. Le groupe Résistance et Alternative en a aussi profité pour annoncer sa participation aux prochaines élections générales. Il présentera des candidats dans toutes les circonscriptions. Le reste de l'actualité locale dans quelques instants, après une page de pub.
Long-distance relationships can be the hardest. To the millions of fans around the world who make the Barclays Premier League what it is, we say thank you. Pas besoin d'une balance pour être en forme. Faites un pas vers une vie plus saine. Régilait 0%, tous les bienfaits du lait. Granulé pour une dissolution parfaite. Régilait 0%, mon partenaire santé. Fabriqué en France. Du 8 au 9 septembre prochain, les pèlerins convergeront en grand nombre au caveau du bienheureux Père Laval. Les autorités ont pris de nombreuses mesures pour s'assurer que tout se passe bien. Un important dispositif de la police est déployé à Sainte-Croix et dans d'autres régions du pays pour assurer le bon déroulement du pèlerinage. Écoutons les conseils du service de police. Chers téléspectateurs, bonsoir. Cette année-ci, le pèlerinage au tombeau du bienheureux Père Laval pour commencer le lundi le 8 septembre après-midi et il y pour durer jusqu'au lendemain mardi le 9 septembre 2014. Comme c'est la tradition, bande pèlerins sortant de quatre coins de l'île sont pour marche en direction de Sainte-Croix dans la nuit de lundi 8 au mardi 9 septembre. De son côté, la police fit mobiliser et prend une disposition nécessaire pour permettre le déplacement vers le tombeau du Père Laval et qui ça passe dans des meilleures conditions possibles. Voici maintenant les détails de sa bande disposition-là. Maintenant, nous vous causons bande fermeture des routes. À partir de midi, lundi, le 8 septembre, jusqu'à mardi, 6 heures du matin, le lendemain, l'allée Père Laval pour fermer complètement la circulation et l'y pour réserver uniquement aux piétons. À partir de 16 heures, toujours lundi, le 8 septembre, jusqu'au lendemain matin, 6 heures du matin, les routes suivantes pour fermer aux véhicules et l'IPU déclare zone piétonnière. La route de Pamplemousse entre l'intersection avec Richter Road jusqu'à la jonction de la rue Ducré à Sainte-Croix. La route Nicolet à partir de ce rond-point d'Abercombie jusqu'à ce l'intersection avec la route militaire Précote-BAT. La rue Sainte-Marie exoban la route latéraux à partir de ce jonction avec Le Cornu jusqu'à piéton Père Laval. Pour mon véhicule maintenant, à partir le 8 septembre 2014, à partir de 16h jusqu'à 6h le lendemain, mon véhicule sautant en direction du nord et à l'envers pour lui, je peux dévier l'autoroute à partir Richter Branch Road. Mon véhicule qui peut aller en direction du nord, y compris mon bus de ligne, je peux dévier vers l'autoroute à travers la route militaire. Ce n'est qu'à partir du rond-point Terre Rouge qui se pour gain droit reprend l'ancienne route. Toujours le 8 septembre, à partir de 16h jusqu'à 6h du matin, un véhicule qui peut circuler l'autoroute du Nord et qui a l'intention soit vers Vallée des Prêtres ou vers Cité la Cure ou même Plaine Verte, je peux dévier par la route Cocoterie et je peux passer par la rue du Cré ou même la route des Pamplemousses. Un automobiliste de Cité la Cure, je peux bien utiliser Bernardin de Saint-Pierre pour aller vers votre destination respective. Au niveau parking maintenant, il y a l'espace parking qui est aménagé dans l'endroit suivant. Premièrement, près de la place bus Cité la Cure, dans Mosellement la Vallée, dans la cour du collège Saint-Gabriel ou même dans la cour du temple Kailasson. Autre aspect important, aucun véhicule n'a le droit de parker dans l'endroit suivant. La route des Pamplemousses appartient sur l'intersection avec la rue Ducré jusqu'à Pont-Bazir, la route Nicolet entre la route militaire et le rond-point d'Abercombie, la route Cocoterie entre l'intersection avec la route Nicolet et le rond-point Cocoterie, Richter Branch Road appartient sur l'intersection avec la route des Pamplemousses jusqu'au rond-point Richter, piéton Père Laval entre la route des Pamplemousses jusqu'à Sainte-Croix, la rue Sainte-Marie entre Sainte-Croix Road et Sophia Lane. Au niveau transport public, ban bus sautant le nord et Clès, je peux embarquer passagers près de la croisée Richter et débarquement passagers pour faire le ban bus stop près de Danouche à Terre Rouge. Ban autobus qui peut sortir pour lui et le sud, je peux embarquer passagers à côté de la route des Pamplemousses près de la croisée de la rue Ducré et débarquement pour faire le long de la rue Ducré. Avant de terminer, la police tenir à rappeler quelques précautions élémentaires qui ban pèlerin bisin prend. Si je peux marcher en groupe, je bisin marche du côté droite de la route.
et surtout, je bien faire d'une façon disciplinée. Surtout, si il y a des enfants, ces enfants-là, je bien sous la responsabilité d'un adulte. Au niveau de tenue vestimentaire, il est important qu'ils portent un dispositif rétro-réfléchissant. Si vous êtes en groupe, c'est une torche exode, ou bien même vous portez des vêtements de couleur claire pour qui un automobiliste caprave tous les autres le soir. Et surtout, quand vous traversez ce chemin, traversez d'une façon en toute sécurité et évitez de traverser un rond-point ou une jonction. Pour conclure, la police tenir à sûr tout un pèlerin qui tout une disposition fin prend à son niveau pour que sa pèlerinage passe dans l'ordre et la discipline. Pour cela, nous pouvons attendre la collaboration de tout le monde et nous demandons de rester à l'écoute de la communication de la police, surtout respecter les consignes qui peuvent donner. La police pourra de l'autre côté durant toute la durée du pèlerinage. Et nous souhaitons bonne route et bon pèlerinage à tous. Des nouvelles internationales dans quelques instants après une page de pub. Pas besoin d'une balance pour être en forme. Faites un pas vers une vie plus saine. Régilait 0%, tous les bienfaits du lait. Granulé pour une dissolution parfaite. Régilait 0%, mon partenaire santé, fabriqué en France. Regardez. Mon frère, pas bizarre ça reste si on rate le programme. Mais mon rate moi un fond à chaussette et là. Puis n'a raté que nous vous décoder à Mati. Moi, je comprends là. N'importe quand on rate un programme, qu'il y ait une série, l'information, ou même un match football, ou n'est qu'une appétable TVOD, là où télécommande. TVOD? Prends votre télécommande, Mati. Nous vous expliquons comment bien faire. Aïe, arrête, moi la télécommande là. Alors, appuyez le bouton vert F2, l'eau télécommande. F2. Léla, vous route sa chaîne, l'eau qui tient à sa programme qui vous raté là, et coupez OK. OK. Vous gagnez la liste programme pour sa zone là. Et Léla, vous cliquez le programme qui vous envie de regretter. Qu'il y ait une série, l'information ou match football. Hé, hey, mais tout net ça. Allez, appréciez mon frère. Et où? Si vous pas encore une Mighty Koto, dégazez, venez avec nous en Mighty pour profiter de l'avantage nouveau décodé en Mighty là. Ouais, formation, c'était à nous. Au niveau international, les ambassadeurs des 28 pays membres de l'Union européenne ont approuvé à Bruxelles de nouvelles sanctions économiques contre la Russie pour atteinte à la souveraineté de l'Ukraine, et ce malgré un accord de cessez-le-feu entre forces ukrainiennes et rebelles pro-russes, selon des sources diplomatiques. Une nouvelle série de 24 noms a été ajoutée à la liste des personnes qui se voient interdire l'entrée dans l'Union européenne et dont les avoirs qu'elles détiendraient dans l'Union européenne sont gelés. Auparavant, des diplomates avaient évoqué l'hypothèse d'un report d'une semaine pour l'entrée en vigueur de ces sanctions afin de donner au président russe Vladimir Poutine le temps de prouver son souhait de parvenir à un règlement du conflit. Il semble que la ligne moins indulgente l'ait emporté lors des discussions entre ambassadeurs européens. Plus près de chez nous, le gouvernement de Sierra Leone a annoncé aujourd'hui que la population sera confinée à domicile du 19 au 21 septembre pour lutter contre l'épidémie qui ne cesse de progresser. La Sierra Leone figure parmi les trois pays avec la Guinée et le Libéria les plus touchés par l'épidémie. Le pays compte 6 millions d'habitants selon des estimations établies pour 2013. Cette approche agressive est nécessaire pour traiter une fois pour toutes la propagation d'Ebola, a déclaré Ibrahim Ben Carbo, conseiller de la présidence au sein de la mission de lutte contre l'Ebola. Le confinement signifie que personne, encore moins un véhicule, à l'exception de ceux qui sont essentiels pour le service, ne sera autorisé à circuler. Sport, le calendrier hippique amorce un tournant important ce dimanche. Le Champ de Mars accueillera le Maiden Cup, cette course mythique qui attire aujourd'hui encore la grosse foule.
Pour la première fois, 10 courses seront disputées lors d'une seule journée. Le maiden sera la 7e au programme aux alentours de 15h30. 10 partants s'affronteront en piste avec Boussara, Tales of Bravery ou encore Vettel parmi les favoris. La météo dans quelques instants après des conseils sur les droits humains. Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue à nos rubriques sur les droits humains, nos rendez-vous bimensuels. Aujourd'hui, nous proposons encore une fois sur la protection des enfants, nous proposons surtout sensibilisation au travail, qui s'y dit you faire. Nous retrouvons monsieur Ratanjori, Child Welfare Officer, bonsoir. Bonsoir. Alors, justement, qui travaille sensibilisation, qui je t'une de faire. Oui, exactement. Oui, nous allons faire une cause partout. Par exemple, dans le centre social, le centre communautaire, même dans l'école, dans le collège, partout que nous allons faire une cause. Avec qui je fais cause? Bien sûr, nous faisons avec tout. C'est-à-dire que ce soit les enfants, parents, les deux. Par exemple, quand nous parlons de l'école, de collège, bien sûr, les enfants, mais quand nous faisons un centre social, le centre communautaire, le centre des femmes, tout ça, c'est nous gagnons beaucoup de parents. Et pas seulement ça. Nous avons un projet que nous qui appelle le Child Watch Committee. Ça veut dire que chaque mois, nous faisons une réunion et une fausse-vive dans différents endroits. Quand ça une fausse-vive, quand nous sommes dans une réunion, nous rapportons nous un cas. Et bien sûr, quand prochainement, nous sommes dans une réunion avec eux, nous disons qu'il y a une action que nous faisons prendre dans ce cas-là. Et ça nous faisons chaque mois. Alors, je dans une réunion, quel message essentiel que vous êtes passé? Bon, tout d'abord, quand nous sommes là-bas, c'est surtout pour la protection des enfants. Un message qui nous passait, par exemple, comment nous devons détecter, qu'un enfant a un problème. Parce que c'est ça le plus important. Quand ça va travailler social, le terrain, détecter. Alors, comment je détecte justement? Par exemple, si c'est par exemple bien facile, par exemple, si vous avez un enfant triste, il y a un côté, il peut retirer, ça est très important. Ou même, si vous pouvez trouver un enfant, il y a une mort, blessure au lit, c'est-à-dire un abus physique, c'est fini qu'on est, là, téléphone-nous pour qu'il nous rapporte le cas sur le centre, pour qu'il nous capable d'intervenir pour qu'il sauve sa bonne enfant. Et mon cas, de cette réunion, Child Watch Committee-là, nous gagnons beaucoup de cas, et grâce à cette bonne comité-là, nous sommes capables de protéger beaucoup de enfants. Est-ce qu'ils ont pu aussi approcher les parents aussi et les parents qui, quelquefois, maltraitent les enfants, amènent eux sans eux mentalité aussi? Exactement. Vous trouvez les parents qui peuvent maltraiter les enfants si nous faisons un travail avec eux. Par exemple, nous incluons les autres dans le projet que nous avons dit à l'école des parents. Nous incluons les autres dans ce projet-là. Et bien sûr, quand on fait une causerie dans un endroit, nous faisons appel aux autres pour qu'ils viennent écouter sa causerie, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient officiers CDU offerts pour qu'ils voient les autres qui peuvent bien élever les autres enfants. Alors, cela dit, et donc, feedback parents, feedback ban voisinage, tout ça là, est déroulé. Mais ça permet une action plus efficace, vous trouvez? Ah oui, exactement. Comment on peut dire, oh, travail de sensibilisation ne pas donner ce résultat tout de suite. Mm-hmm. Vous trouvez à long terme, là, vous trouvez un résultat. Si aujourd'hui, nous pouvons gagner beaucoup de cas qui peuvent rapporter. Qui peuvent dénoncer. Grâce à ban travail de sensibilisation, que les CDU peuvent amener sur le terrain. Parce que nous sommes conscients que quand il y a un problème, pas hésiter, téléphone le 113 et dénonce Banca, le CDU est là pour protéger sa bande d'enfants. Est-ce que ce n'est pas plus là un problème mentalité du monde qui besoin changer? Je peux capable de faire lire, je peux réussir à faire lire, résultat qui peut donner? Ah oui, quand nous pouvons cause mentalité du monde surtout, c'est nous pouvons cause surtout les parents. Nous sommes d'accord que le premier indicateur des enfants, c'est ce parent. À cause ça, vous trouvez le ministère fait une vie avec le projet qu'on appelle École des parents. Vous pensez que ce travail-là, il commence dans la maison d'abord. C'est les parents qui besoin connaître comment pour guider les enfants, comment pour élever les enfants, comment pour donner une bonne éducation. C'est les parents qui besoin faire le premier travail d'abord et puis les autres. Merci, M. Ratanjori, tout le monde renseignement qui nous finit de nous, donc sur les droits humains, que nous causons si et tout, la protection des droits de l'enfant. Madame, Monsieur, merci de l'attention. Bonsoir, rendez-vous dans 15 jours. Voyons à présent le temps qu'il fera ce soir et demain, notre page météo. Il a plu un peu partout sur l'île, principalement sur le plateau central. La pluviométrie durant les dernières 24 heures est comme suit. Montbois 11,2 mm, Vacois 9,1 mm, Plaisance 5,5 mm. La température était inférieure à la moyenne saisonnière avec 20,4 degrés à Vacois, 25,3 degrés à Port-Louis. Le taux d'humidité à 10 heures variait entre 65 et 95%. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1024 hectopascales.
Les détails de la station météo. Les temps à Maurice, de même qu'à Rodrigue, Péris, venteux et froid sur la région. Eh bien, tout ça est provoqué par la présence du fort anticyclone qui trouve dans les parages. Ben Rafael, qui nous a enregistré durant ces dernières 24 heures, nous trouvait que le monde il a enregistré jusqu'à 90 km par heure. Eh bien, c'était une rafale isolée, suivi de champ de Mars avec 82 km par heure. Eh bien, comment nous dire, à Rodrigue aussi, sur les temps les très venteux, là-bas, nous a enregistré une rafale de l'ordre de 91 km par heure à Pointe-Canon. Sur la carte synoptique, nous retrouvons le fort anticyclone au sud des Mascareignes avec au centre 1036 hectopascales. Eh bien, l'anticyclone libère resserre le gradient sur la région, ce qui explique le temps venteux et froid qui peut persister. À noter aussi qu'avec l'anticyclone dans les parages, l'état de la mer à Maurice, de même qu'à Rodrigue, l'est mauvais, donc bien évite faire une sortie en mer. L'état de la mer d'Avanzil comme Saint-Brandon et Agalega n'est pas praticable. Sur la photo satellite, nous retrouvons ce nuage qui caractérise l'air froid émanant de l'anticyclone. Eh bien, ce nuage pour traverse Maurice, de même qu'à Rodrigue, de temps à autre, ce qui explique le temps variable qui peut persister pour les prochaines 24 heures. Plus au nord, dans la région de Agalega, c'est un courant d'air légèrement instable qui peut circuler, ce qui explique la présence de ce nuage qui approche l'île par le sud-est. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse cette nuit avec des ondées plus fréquentes au sud, à l'est et sur le plateau central. La température minimale variera entre 13 et 20 degrés. Les ondées passagères persisteront demain, surtout sur les terrains élevés. La température maximale variera entre 21 et 26 degrés. Vent de l'est-sud-est, 30 à 40 km/h avec des rafales de l'ordre de 85 km/h. Les usagers de la route sont priés d'être prudents sur les routes et lors des sorties, mais à très forte au-delà des récifs. Les sorties en mer sont strictement déconseillées. Les prévisions pour Rodrigue, période nuageuse cette nuit avec des ondées passagères. La température minimale variera entre 15 et 18 degrés. Mi-couvert demain avec quelques ondées matinales. La température maximale variera entre 22 et 24 degrés. Vent de l'est-sud-est, 35 à 45 km/h, avec des rafales de l'ordre de 85 km/h. À Rodrigue aussi, les usagers de la route sont priés d'être prudents lors des sorties. Mais à très forte au-delà des récifs, les sorties en mer sont strictement déconseillées. Les prévisions pour Agalega, période nuageuse cette nuit avec des ondées passagères. La température minimale sera d'environ 23 degrés. Des ondées persisteront demain. La température maximale sera d'environ 28 degrés. Vent du sud-est, 20 à 30 km/h, avec des rafales de l'ordre de 65 km/h. Mer forte, les sorties en mer sont déconseillées. Pour Maurice, le soleil se lèvera demain matin à 6h14, se couchera à 18h03. Marée haute ce soir à 23h19 et demain à 12h10. Marée basse demain à 5h47 le matin et 18h09. Pour Rodrigue, le soleil se lèvera à 5h50, se couchera à 17h39. Marée haute ce soir à 23h13 et demain à 11h44. Marée basse demain à 5h32 et 17h46. Pour Agalega, le soleil se lèvera à 6h13, se couchera à 18h11. Marée haute demain à 2h08 et 14h45. Marée basse demain à 8h12 et 21h12. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin, toute l'équipe de la rédaction vous remercie de votre attention. Bonne soirée sur la MBC.